Mais après cette visite, je crois que l'initiative de ces parcs montre déjà l'amour patriotique qu'a l'excellence Muyambo, l'amour de son pays, l'amour de toute la population de la province du Katanga et de toute la République. C'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, les gens peuvent venir se recueillir ici, peuvent venir passer leur temps. C'est un lieu touristique, donc c'est une économie qui est en train de prendre de l'ascenseur. Combien de gens viendront ici? Nous voyons qu'il y a d'autres pays qui ne vivent que sur le tourisme. Donc je crois que cette initiative est à louer et que nous devons porter main forte à l'initiative du parc Muyambo. Le ton est donné et la bonne nouvelle du parc se répand. C'est elle qui amène à Lubumbashi l'artiste musicien Papa Wemba, non pas pour une production musicale, mais pour contempler et apprécier la merveille de la nature de Muyambo Park. Je dois tout d'abord féliciter le bâtonnier Muyambo qui a eu vraiment l'idée de faire ce parc-là, puisqu'on n'en trouve pas ici chez nous dans notre pays. Avant, vers le Bukavu, il y en avait des parcs comme ça, quoi. Mais j'ai entendu dire, le bâtonnier disait que voilà, on en trouve ça seulement en Tanzanie et ailleurs. Tous ces animaux qu'on voit là, c'est ramené de notre pays, quoi. Ça vient de la Tanzanie, ça vient. Mais c'est très bien. C'est très, 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 très bien. Je crois qu'il est en train de nous faire rêver de quelque chose que des enfants ont toujours vu dans des films, hein, ou comment, quoi. Et même nous aussi, les parents. Tu vois? Par exemple, derrière moi, là, regardez, un animal comme ça. J'ai jamais vu, moi, ça. J'ai jamais vu. Alors, c'est une très, 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 très bonne chose, quoi. Et je suis très flatté et fier, quoi. Passage à Lubumbashi, Werason, musicien congolais de renommée internationale, jure ne pas finir son séjour sans visiter le parc dont il entend trop parler. Parce que ça va passer des chameaux à 6 000, mais on pouvait acheter la porte. Accompagné de son groupe, Werason est émerveillé par la nature. Ah. Ok. Belle forêt. Oh mon ami, on est là-bas.
là dans le parc, Werrason est en contact avec la culture musicale locale katangaise, dont Jean-Claude Muyambo est encore une fois le promoteur. Werrason en profite pour y puiser les célèbres cris Songambele qu'il utilise actuellement et qui fait des émulations à travers le monde. Les hommes de Dieu ne sont pas restés en marge. Pasteur Denis Lacy, venu de Kinshasa par exemple, s'est dit surpris par l'œuvre de Jean-Claude Muyambo. Muyambo Park accueille aussi les chefs coutumiers venus palper du doigt ces dons où le Katanga parle. Certes, les dépenses sont lourdes lorsqu'on compte les nombres d'espèces d'animaux et les coûts mis pour leur déplacement depuis les origines. Mais fort de ses ambitions, Jean-Claude Muyambo n'est pas au bout de ses forces. Des girafes, des oryx, des autriches, serpents, crocodiles, tortues en provenance de la Zambie, la Namibie et des divers autres pays continuent ainsi à peupler le parc. Ceci crée de l'engouement même auprès des expatriés. Muyambo Park devient alors un lieu de divertissement et de détente pour les expatriés qui s'y amènent avec leur famille surtout les week-ends. La réputation du parc entame les cours scolaires des Lubumbashi. Tous les élèves rêvent fouler les sols de ces sites. Tour à tour, les écoles s'y succèdent. Les visites des élèves et enseignants restituent au parc sa qualité des cadres de formation scientifique et des loisirs pour les enfants. Ces caractères scientifiques du parc est encore prouvé par la descente d'une centaine d'étudiants de médecine vétérinaire de l'île Ilou, accompagnés de leurs professeurs dans le cadre de la recherche scientifique. Nos étudiants voient à la télévision des immatériels que par exemple la girafe à la télévision, voient par exemple les zèbres à la télévision, mais aujourd'hui ils ont eu l'occasion de voir des visous, ils ont vu les dromadaires. Il y en a qui l'ont touché. Comme ça, ça fait pour eux un plus dans les reconnaissances. Nous sommes très contents. Et nous le remercions beaucoup pour son invitation. C'est impressionnant. C'est impressionnant quand on voit effectivement le montant, je suppose, effectivement, des investissements. Et donc, je crois que le parc a été ouvert il y a à peu près une année. C'est bien ça? C'est prometteur. Mais il faudra qu'il y ait, bien entendu, un suivi. En ce qui concerne notamment le suivi des animaux, le peuplement du parc. Mais je crois qu'il y a matière effectivement à développer quelque chose. Et de mon point de vue, à mon avis, il y a des capacités, je dirais, au sein même de l'université de Lubumbashi. Et je crois que l'atteinte de l'objectif,
qui est de vulgariser peut-être l'élevage des animaux sauvages, devrait se faire en partenariat avec la faculté vétérinaire. Là, je crois que ce serait une opportunité réelle. Je vois aussi, j'ai constaté aussi qu'il y avait de magnifiques plans d'eau. Je trouve qu'il y a peut-être des partenariats développés aussi avec des gens qui sont capables de maîtriser effectivement la pisciculture, l'élevage du poisson. Bref, tout ça, ça permettrait d'optimiser effectivement les potentialités réelles, disons, de ce parc. À grands pas, quelques mois seulement après son existence, Muyambo Park devient un cadre idéal pour toutes sortes de manifestations. Des fêtes d'anniversaire y sont organisées. Au mois de décembre 2009, le parc attire des centaines d'enfants venus fêter la nativité. Le 8 mars, des femmes viennent y célébrer la Journée internationale de la femme. Mi-avril 2010, des bâtonniers de tous les barreaux de la République viennent admirer les chefs-d'œuvre produits de leur confrère, Maître Jean-Claude Muyambo Kiasa, bâtonnier honoraire du barreau de Lubumbashi. La merveille de la nature, j'espère que son créateur aura les moyens de l'étoffer sérieusement parce qu'il fallait y penser pour amener la nature à côté de la ville de Lubumbashi, mais alors toute la nature. Maître Muyambo reprend avec une tradition du barreau et je pense que notre présence ici nous permet donc de renouer avec une bonne tradition du barreau. Je trouve que le cadre est vraiment formidable. C'est un cadre bucolique et qui nous permet, après ce travail très dur que nous avons effectué pendant plusieurs jours, de nous reposer dans un environnement sain et vraiment reposant. Vraiment, je félicite le bâtonnier Muyambo pour cette initiative. Et d'autant plus que c'est une initiative qui permet non seulement de vivre dans un milieu sain, mais en même temps, qui permet de conserver la nature. J'ai toujours entendu parler de ce parc.